Attendu pour le courant de l'année 2022, la série Star Wars consacrée à Obi-Wan Kenobi va-t-elle dévoiler sa première bande-annonce? Elle figure parmi les séries les plus attendues en 2022, suite officielle de la prélogie, Star Wars, Obi-Wan Kenobi suivra les aventures inédites du chevalier Jedi campé par Ewan McGregor. L'occasion de retrouvailles avec son ancien padawan devenu Sith, Dark Vador, qui verra son interprète Hayden Christensen faire également son grand retour dans la franchise. Attendue pour cette année, la série n'a pour le moment dévoilé ni images officielles, ni date de diffusion sur la plateforme Disney+. En novembre dernier, quelques concept art avaient été révélés lors de la convention Disney+ Day, l'occasion d'y découvrir un tout premier aperçu de l'apparence du Jedi dans cette série événement. Mais une bande-annonce pourrait prochainement être dévoilée, à en croire l'un des acteurs du programme, Rory Ross, via Comic Book. Comme, s'il ne tient qu'un rôle très secondaire dans la série, celui d'un Stormtrooper, il jouait déjà un Tusken dans le livre de Boba Fett. Ce dernier a expliqué pourquoi la bande-annonce de Kenobi n'a pas encore été diffusée. Les propos du comédien font référence à un fort accord devenu légendaire, à savoir la présence d'un gobelet de café Starbucks placé en évidence lors d'une scène de l'ultime saison de Game of Thrones. Retiré numériquement de l'épisode depuis, cette erreur flagrante avait malgré tout suscité de nombreuses moqueries sur les réseaux sociaux. Il faudra donc s'armer de patience avant d'espérer découvrir les premières images officielles de la série Obi-Wan Kenobi. D'ici là, les fans auront de quoi ronger leurs freins avec la diffusion chaque mercredi des épisodes du livre de Boba Fett, à découvrir en exclusivité sur Disney+.